Rien à dire, tout est bleu, tout est magnifique. Regardez, wesh. Regardez-moi cette assiette. Est-ce que ça dirait qu'on passe à table? Regardez ces couleurs. Et la tête! Mais c'est pas possible! Goal! Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Adem, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Alors ça va être simple, c'est le retour des 24 heures déjà. Et en plus de ça, on va manger nos couleurs préférées. Moi le rouge et Bilal le bleu. Donc voilà, depuis petit, c'est nos couleurs préférées. J'ai toujours kiffé le bleu ciel, la nature, la mer, la couleur de la daronne à Pinocchio. Ouais. Et moi le rouge, la couleur de la lave, du sang, moi je suis un mec sanguinaire. Dites en commentaire c'est quoi vous, vos couleurs préférées. Donc la famille c'est simple, on va aller en magasin. Non, on a déjà été en magasin hier, donc on a préparé la vidéo. On voulait filmer en magasin mais c'est mort, c'est compliqué, il y avait du monde avec les fêtes de fin d'année. Bref, on va tout simplement manger le matin, le midi et le soir. Donc on va pas faire le goûter parce qu'on s'en fout du goûter. On a trouvé pratiquement que des sucreries dans ces couleurs parce que c'est pas évident de trouver du rouge et du bleu. Encore le rouge ça va, mais moi comment j'ai galéré avec le bleu. Vous allez voir de toute façon dans cette vidéo qu'est-ce qu'on a trouvé comme nourriture. Bref la famille, comme à l'ancienne, un petit 24 heures tranquille, on va bien manger. Faut aussi que la chèvre dise bonjour aux abonnés. Et ouais, maintenant qu'on a la petite chèvre sur la chaîne, c'est parti, on va lui dire bonjour. Coucou Mouloud, allez on va te mettre dans ton lit. Allez hop là, regardez-moi son magnifique lit. Allez, tu sais quoi, hop là. C'est vraiment tout mignon à l'intérieur, regardez, on lui a préparé tout ça. Adem, il faut lui dire, hein, elle a même un biberon. Ah ouais c'est vrai, elle a un biberon, je peux te dire quand elle mange. Elle est comme ça, je sais pas on dirait elle fait quoi mais... T'es toute belle hein. 1, 2, 3. Elle fait la timide en vidéo. Ouais, à chaque fois qu'on filme elle fait ça. On va commencer par le petit déjeuner la famille parce que regardez l'horloge. Ceux qui savent lire ces horloges là, il est actuellement 9h30. Wesh Kayla. Wesh. T'as pas école? Non. Pourquoi? On est mercredi aujourd'hui. T'étais malade hier. Ouais. Perfect. Sur ce on vous laisse à la vidéo. Bon visionnage, c'est parti. Allez crie. Allez. Elle veut pas crier aujourd'hui. Bon la famille c'est parti, je suis dans la cuisine, je vais tout simplement faire le petit déjeuner. Et on a cherché partout, j'ai cherché à Auchan, Carrefour, dans les magasins bio. C'est très très dur de trouver du bleu, que ce soit en sucré, mais le plus en salé, impossible. Ça va être super dur pour le midi et le soir. Bref, en tout cas pour le petit déjeuner la famille, regardez là, je me suis tout simplement pris un innocent. Elle est magnifique la couleur, en fait c'est innocent quand tu le bois, genre il a rien fait. Citron vert, pomme, eau de coco et spirulaline plus vitamine. Je sais pas ce que c'est. Bref, en tout cas, c'est bleu. J'ai tout simplement pris des M&M's, les bleus, tout simplement. On y va. Alors là la famille, regardez, je me suis concocté de la myrtille. Donc en anglais ça se dit blueberry. Donc il y a le mot bleu dedans, blue. Donc c'est bleu. Hop, une petite cuillère. Regardez Adem, viens faire le petit focus. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et là regardez, je vais mettre tout simplement avec les M&M's bleus. Je vais remplir mon bol parce que j'ai super faim. Après je viens tout simplement prendre ma boisson innocente. Ça va rendre le truc innocent quand je vais le manger. Et regardez-moi ça. Oh merde, c'est pas du tout bleu. Donc là on est dans un fail total. C'est devenu violet, noir. Regardez, regardez, mais regardez. C'est compliqué là. C'est écrit blueberry et là ça rend violet. Mais moi j'y peux quoi moi. Du coup tu vas faire comment? Peut-être que dans les autres pays il y a des variantes de couleurs plus stylées. Genre il y a des fraises bleues, des pommes de terre bleues. J'en ai trouvé mais bon c'est encore violet. Mais ça se dit pommes de terre bleues en magasin. Vous verrez tout à l'heure mais bon. Bah attends, je pense que là t'as pas le choix de manger ça comme ça. Ouais je vais manger ça comme ça mais c'est compliqué aussi. Bon c'est dégueulasse mais vous inquiétez pas, je me suis lavé les mains. Là je suis en train de récupérer les M&M's. Je veux prendre les M&M's, je veux les manger normal. Le blueberry je veux le manger normal et la boisson je veux la manger normal. Je voulais faire un mélange de céréales, ça a foiré complètement. Donc je suis obligé de tremper mes mains là-dedans. Donc voilà, ça fait du bleu, hein. Adem, c'est quoi cette couleur bleue? Tutti frutti, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Je parle de la couleur bleue. Tu vois, il y a du bleu clair, du bleu ciel. Celle-là, ça a un nom particulier. Ah, du bleu turquoise. Voilà, du bleu turquoise. Donc c'est dans la couleur des tons bleus. Regardez mon assiette de myrtille avec les M&M's et la boisson. Franchement, c'est stylé le rendu, ça fait bleuté. Bon, la famille, moi, mon petit déjeuner rouge, j'ai largement plus de choix que Bilal. Regardez-moi ça. J'ai ici de la myrtille rouge, j'ai de la framboise. Et ici, regardez à l'intérieur. Des fraises. Oh là 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 là, magnifique la salade. C'est pas super bien rouge ça, c'est magnifique, on va tout manger. En vrai là c'est bien rouge, hein, y a pas plus rouge que ça. Hein. Ouais, et là je vais faire le milkshake. J'allais oublier les fraises. Ah ouais, mais attends, c'est du glaçon là. Ça va décongeler, là c'était congelé. Et hop là.
vers ça à l'intérieur. On y va. Voilà. Pour rajouter encore plus de rouge, je mets même du sirop de grenadine, mon pote. C'est parti. Hop là, voilà, comme ça, c'est pas trop sucré ni trop salé. Et on remélange. Ah, il y a des morceaux qui tombent. Ah bah, ça va être délicieux. Mon petit déjeuner est prêt, le tien aussi. À table maintenant, j'ai faim. Attends, regardez vite fait, regardez, wesh. Par contre, ça, d'aime ça, on va pas se mentir, c'est un petit peu rose quand même. Ouais, mais c'est quand même rouge. Perfect. Bon, la famille, c'est parti pour le petit déjeuner. Regardez, pour ma part, la couleur bleue. Et pour moi, du rouge. À vous d'en juger dans les commentaires si on a géré niveau couleur. Moi, je pense qu'on a respecté le contrat quand même, hein. Le contrat des couleurs est respecté, il est validé. On mange. Ouais, c'est parti, on mange, bismillah. Oh lolo. Oh là là, c'est magnifique. Ouais, ça va, c'est frais, moi, c'est bon. C'est bon ? Ah, c'est magnifique. En plus, comme j'ai mis des fraises glacées comme ça, là, eh ben, je peux te dire que c'est hyper frais. Moi, ça va, c'est une boisson au jus de fruits de couleur bizarre. Mais ça va, ça passe, c'est bon. Alors, c'est parti, on va prendre l'assiette et on va passer au petit déjeuner consistant. C'est vrai que là, pour une fois, on mange pas des trucs gras, c'est diète. J'ai un M&M's bleu. Et moi, une petite framboise. Bien évidemment, les framboises, vous connaissez tous, c'est hyper bon. C'est un M&M, ça, il a le même goût que les autres couleurs. Là, je vais attaquer la fraise glacée. Ça me donne envie, ces fruits rouges. Je kiffe les fruits rouges. C'est exotique, la tête d'homme, c'est trop bon. Oh, c'est trop froid, là, d'une manière, je peux pas. Bon, on va goûter le blueberry des myrtilles. Le meilleur truc, c'est ça. Ça a un goût bizarre. C'est un petit peu amer. Ouais, j'étais tout noir. Non, tout bleu. Oui, t'es tout bleu. Alhamdulillah. Bon, ça va, c'est pas horrible comme petit déjeuner, ça le fait. Ah, moi, je me plains pas du tout, c'est trop bon. Bon, on va continuer à manger, on va finir le petit déjeuner et on se retrouve quand on a terminé. Bon, regardez la famille, on a tout simplement terminé le petit déjeuner. Regardez, wesh, les couleurs. La vie de ma mère, on dirait de la peinture. La tête d'homme, que c'était super bon à refaire, la vie d'homme. Regardez ces couleurs, franchement, dégueulasse. C'est dégueulasse dans le corps, c'est sûr, ça fait des trucs sales, ça. Ça fait des maladies, wesh, imagine t'as de la peinture comme ça dans le corps. Je peux te dire que tu vas yesh multicolore. Pour l'instant, on va aller à nos occupations. Je pense que là, on va aller donner à manger à la petite chèvre. Donc c'est parti, on passe aux occupations. Saute! Ouais, ouais! C'est trop mignon. Allez, regarde. Ouais. Saute encore. Saute là-bas cette fois. Doucement. T'inquiète, j'y vais mollo avec elle. Ouais, c'est sûr que tu la bouffes le soir. Allez, viens là. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, t'as hauteur. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Allez. Wesh, 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 wesh. Arrête de crier. Vas-y, pars. C'est bon, je te laisse tranquille. Bon, la famille, c'est parti pour mon repas du midi en bleu. On continue, donc regardez ce que j'ai pris. Alors là, on peut voir les pâtes bleues. Ça fait un petit peu bleu turquois aussi. À ce qui paraît, j'ai vu à la cuisson, ça devient vert. Donc, je vais pas les faire cuire, je vais les manger crus. Attends, parce qu'à la caméra, ça fait un peu vert. Ouais, t'inquiète, c'est bleu. En fait, ceux qui voient du vert, là, en fait, vous êtes tout simplement daltoniens. Donc, c'est bleu. J'ai acheté des pommes de terre très très rares. Non, en vrai, c'est pas rare, t'en trouves à Carrefour. Des pommes de terre bleues. La pomme de terre bleue d'Artois est une variété ancienne intéressante sur le plan esthétique grâce à sa chair bleue intense. Hop, c'est bleu, un petit peu violet. Mais ça se dit pomme de terre bleue. C'est comme le blueberry, c'est comme le blackberry. Et là, regardez, j'ai pris une boisson à la menthe glacée. Ah là, c'est vraiment bleu, regardez. Bon, c'est parti pour le dressage. Donc là, je vais mettre un petit peu de pâte. Je vais enlever la peau, on dirait de la betterave. Et je vais faire des frites. Ah, mais c'est une merveilleuse idée, ça. Bah oui, des frites bleues. Enfin, violet. Mais bleu, parce que ça se dit bleu. La couleur, franchement, c'est du violet, on dirait de la betterave un peu. Après, il faut savoir que c'est interdit dans ce concept-là, dans le concept de manger d'une couleur, d'utiliser des colorants alimentaires. Ça, c'est interdit. Il faut utiliser du colorant naturel qui sort d'un aliment. Ah oui, je connais une fleur bleue qui lâche du colorant naturel. Oh, pas que ça à faire, je connais pas. C'est parti, je vais faire cuire les frites. Bon, la famille, regardez-moi cette assiette. Donc, on peut voir tout simplement qu'il y a du bleu. En fait, là, on est sur un multicolore, en fait, tout simplement. Le concept, il est foireux. En fait, c'est super dur avec le bleu. Franchement, je savais pas que ça allait être aussi dur. Après, la boisson, elle est très, très, très claire.
Mais mange pas tout de suite. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin. J'ai trouvé plein d'aliments bleus. C'est certainement pas du sel parce que c'est trop dur de trouver en salé. Mais j'ai trouvé plein de trucs sucrés et c'est plutôt sympa. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Attends, mais on va manger le dîner là ou tu manges tout seul? Oh. Perfect. Bon, la famille, regardez pour mon dîner, c'est ça? Non, c'est petit déjeuner. Pour la bouffe du midi rouge, on a de la viande rouge avec du poivron, des tomates cerises, du pic. J'ai pris du cranberry cerise. Bon, c'est parti, chef Adem. Allez, let's go. Ah, de la triche, il a mis de l'huile d'olive. Bah non, après, la viande, elle va être toute flagada. Et la sauce tomate. Est-ce que tu veux que je t'explique un peu qu'est-ce que je vais faire? Bah, explique. Bah, je vais faire revenir la sauce tomate et après, je vais rajouter la viande dessus. Et ça va être tout rouge, c'est parti. Ouais, mais raconte pas ta vie. Tu m'as dit explique, c'est quoi? Oh là 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 là, c'est tout rouge là. Là c'est bien rouge. Bon, la famille, je viens de mettre la viande ici à feu doux. Wesh, tu lui as troué le ventre. Oh, coupe-toi. Le petit piment, aïe 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 aïe, comment il a géré. La vie de ma mère, que c'est de la pâte à viande. Attends, on goûte. Regardez-moi cette assiette, digne d'un chef cuistot. Bilal, ça te disait qu'on passe à table? Ah, ça te disait, je sais pas conjuguer les verbes. Bon, Adem, on va arrêter YouTube, on va repartir à l'école tranquillement. Est-ce que ça te dirait qu'on passe à table? Bah, on y va, c'est parti, hein. Là, j'ai fini. Perfect. Regardez la famille, la couleur de nos assiettes. Là, on voit bien que c'est du bleu. Et là, on voit bien, bah, que c'est du rouge. Bon, bah, c'est parti, Adem, on y va. Place à la dégustation. Attends, j'ai envie de te dire un truc. Le rouge, c'est vraiment 10 fois plus facile à faire que le bleu. On sait même pas si c'est du bleu ou si c'est du vert. Il y a même du noir. Bref, j'ai pu faire que ça. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Quand même, on a géré. On différencie les deux couleurs. On sait qu'ici, il y a du bleu et ici, il y a du rouge. Bon, moi, je vais commencer par la boisson aux strawberries. Bon, moi, c'est à la menthe fraîche. Mais j'ai rajouté de ce que j'ai bu déjà ce matin pour que ça fasse cette couleur. Je viens de goûter la tête d'homme que c'est hyper acide. Mais c'est bon ou pas? Mais c'est super bon, c'est un goût de fruit mais c'est acide quoi. C'est pas mal, ça rafraîchit aussi. Je vais mettre du piment à cette vidéo. Allez, 3, 2, 1. C'est un malade, un gros malade. Ça pique pas du tout. Je les connais ceux-là. Parce que tu vois, tu peux tomber, t'as une chance sur deux de tomber sur un truc piquant ou pas. Ouais. C'était sûr. Pas du tout en fait. T'es sérieux? Adem, je veux manger ton assiette rouge. Ah, tu vois? Tu voulais tricher, casse-toi. Vous avez vu, elle veut pas que je la mange la tomate. Non, mais mange pas. Allez, si on passait au plat résistant. Allez, je vais goûter un poivron rouge. Oh, magnifique. J'en reprends un autre. Regardez. Regardez, moi je veux goûter les pâtes vertes, bleues, bizarres. On y va. On va goûter une tomate cerise. Oh, je peux te dire que la tomate cerise, elle gicle dans la gorge. Ah. Ça te dit, on fait une belle activité là juste après ça? On va faire un match FIFA. Je vais prendre 7 équipes de foot. C'est Manchester City avec le maillot bleu. Et moi, je vais prendre 7 équipes de foot. Guess c'est le basket. Moi, je vais prendre le Bayern parce qu'ils sont rouges. Bon, la famille, on a tout simplement terminé le repas du midi. Attends, il a pas terminé. La faim, elle est vraiment atroce. Tiens, je te mets au défi. Mais c'est du vrai piment. T'as vu comment j'ai fait, moi? Perfect. Regardez la famille, Adem, il a préparé le petit biberon pour le petit Mouloud. Donc c'est parti, on y va, il va manger sa bouffe du midi. Vas-y, le pauvre, donne-lui. Le pauvre Dan. Tiens, vas-y, c'est bon. Faut le forcer un petit peu, hein, c'est un bébé, il est pas encore habitué. Oh, c'est trop mignon. Adem, bois pas son biberon. Hein. Vous entendez le bruit? Bon, la famille, c'est parti. J'ai tout simplement pris Manchester City. Et moi, j'ai pris le Bayern de Munich. Voilà, c'est à Munich. Bleu, vert, rouge. Allez, Marez. Petit geste technique des familles. La passe, il rentre. Le joueur français. Mais non. Douglas Costa. Oui, continue, mon petit. Allez, mon petit. Non, il est hors jeu. Oh, il rate. Oh, il est hors jeu. Attends, mais j'ai raté plus hors jeu, là, en fait. Hop là, Coman. Oh là là, il part. Oui, et la frappe. Tu vois, ça commence.
gagné, sir. Dominé n'est pas gagné, gagné n'est pas dominé. Allez, on y va, on continue. De Bruyne. Allez, Kevin. Oh là là, le geste de Kevin De Bruyne. Il continue le crochet, Kevin De Bruyne. Et Mahrez, il est parti. Le centre et la tête. Mais c'est pas possible. Goal. Un partout, on continue. Tacle. Eh ben non, je saute au-dessus. Tacle. Non. Tacle, 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 tacle. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Allez, on pousse là, on pousse, qui on pousse, qui on pousse, c'est pétard en lucarne, ouais. S'il vous plaît. Il est parti, l'accélération, le roi Sané qui centre sur Douglas Costa, et c'est le but. Et non, il est trop petit, Douglas. Il mange de la glace. La porte. Je t'avais dit de fermer la porte ce jour-là. De Bruyne, lui, il fait des il mange des Kinder Brownie. Allez, Coman, sors Coman. Sors Coman. C'est qui va sortir le gardien? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est qui va sortir le gardien? 3 putains de 1. La famille, croyez en moi. Allez, on y va, il est parti! Il est parti, Gabriel Jesus! Et le lob! Mais c'est ça qu'on veut! Oh! Je parle comme les youtubeurs FIFA. Mais voilà! C'est ça qu'on veut! Non! Yes! Ah, je suis le plus fort à FIFA! Fuck! Sur la tête de ma mère hors caméra, à chaque fois, c'est moi qui gagne. Il a pété un câble, il a craché sur l'écran, il a bavé dessus, il a cassé la manette blanche qu'il a dans les mains. Entre nous, personne ne croit, là j'ai gagné, la preuve est vivante. Bon, la famille, c'est parti, on se retrouve pour le repas du soir. Donc c'est n'importe quoi le repas du soir, vous savez pourquoi? Regardez, wesh, toutes ces sucreries. Et là, regardez la boisson du soir, du Powerade bleu comme ça. C'est vraiment trop stylé cette boisson. Ça va être du sucré pour le soir. C'est tout ce que j'ai trouvé de bleu dans les magasins. Je me suis dit, allez, je veux prendre tout et n'importe quoi pour le soir. Regardez-moi cette pâte d'amande. Je vais goûter, on y va, 1, 2, 3, let's go, bismillah. Ah, on dirait de la pâte à modeler. Je valide pas, je vais goûter du chewing-gum. On les a tous mangés quand on était petits. Les Skittles. Bref, là je veux faire pareil pour tous les paquets de bonbons. Que ce soit pour les carambars, les fils, les dragibus. Rien à dire, tout est bleu, tout est magnifique. Regardez, wesh. Perfect. Bon, la famille, c'est à mon tour, donc regardez ce que j'ai fait. J'ai pris les têtes de schtroumpf, des grands schtroumpfs, le grand schtroumpf rouge. Ouais, ouais, je le connais. Ici, il y a le dragibus avec les tagada. Et ici, des M&M's rouges. Le meilleur pour la fin, tu sais c'est quoi? Non. C'est la glace à la fraise, mon pote. La vie de ma mère. Oh, on dirait nos tétons, regarde. Je me suis dit. Il en a eu marre. Ouais, ça y est. Ah, c'est parti, regardez-moi ces couleurs rouge et bleu. Là, il n'y a pas plus rouge de toute la vidéo, il n'y a pas plus bleu que de toute la vidéo. J'ai oublié de préciser, j'ai pris du Powerade à la cerise. Est-ce que vous connaissez celui-là? Goût Ice Storm. Dites en commentaire, c'est laquelle votre préférée, la rouge ou la bleue? Bon, comme d'hab, on commence par la boisson. Quand tu bois ça, t'as du power. Mais le problème, c'est que c'est power red. Ça veut dire c'est rouge. Pourquoi c'est pas power blue? Mais vu que lui, il est bleu. C'est ce que je me suis dit. Eh, hey, les meilleurs dragibus, les bleus, c'est les meilleurs. À vous. Ouais, c'est vrai. C'est parti. J'ai mal aux dents. On est en hiver, je prends ça, c'est bizarre. Tagada. Ah, tagada, tagada. Les bonbons bleus là, comprends. À chaque fois, on sait jamais c'est quoi le vrai goût. En fait, je pense que c'est le même goût que le power red. Genre goût Ice Storm. Carambar. Là, je vais tabasser un fil. Ouais, c'est trop sucré. Et on fait du bruit quand on mange, hein. C'est parti, les spaghettis. Regardez, là, le schtroumpf bleu. Tagada. Bon, on va essayer de finir tout ça. Non, en vrai, je pense pas qu'on va finir ça. Hein. Oh non. C'est trop sucré. On bombardait des idées de 24 heures dans les commentaires. On aura bien mangé quand même. C'était pas réellement bleu au début de la vidéo. Il y avait des couleurs vraiment bizarres, mais c'est super dur de trouver des aliments bleus. Dites en commentaire si vous avez trouvé d'autres produits, vous, en magasin. On va se laisser là-dessus en espérant que ça vous a plu, le 24 heures. Moi, pour ma part, j'ai vraiment kiffé. Le rouge, c'est validé. Bon, le bleu, c'est semi-validé, on va dire. Hein. Dites en commentaire. C'est vraiment bon, les bonbons. Mais c'est mauvais pour les dents. Ils auraient dû appeler ça des mauvais mauvais. Bon, on y va. Partagez la chaîne à vos amis et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'est Adem et Bilal. Salam la famille. Allez, à toi, c'est parti. Mais putain, lâche-la. Allez, va manger ta grand-mère.